ces instants. Glorifie-nous par ton esprit, par ta parole, Seigneur. Éclaire nos âmes au nom de Jésus-Christ. Et que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Que nos pensées se taisent. Que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle. Mot après mot, phrase après phrase, que sera dit, Seigneur, ce soir. Que la gloire revienne à Jésus. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre nos yeux afin de voir. Et que les œuvres de l'ennemi soient démasquées. Au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu soit visible et palpable. Donne-nous l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Et manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite? Le frère, la sœur qui est à tes côtés. Si ce n'est pas à tes côtés, c'est certainement devant toi ou derrière toi. Demande-lui comment ça va. Marine, que Dieu te bénisse. Dis-lui, je suis content de te voir ce soir. Est-ce que tu peux lui dire que tu es content de voir ta sœur, ton frère? Après une longue semaine, gloire à Dieu. Amen. Tout le monde est prêt à écouter la parole de Dieu ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes dans le livre de Actes au chapitre 16. Alors nous ne voulons pas oublier toutes les personnes qui nous suivent via Facebook Live. Vous savez, il y a de plus en plus de personnes qui sont connectés pour suivre le message. Il y en a qui le suivent en direct, d'autres en différé, et qui nous appellent pour nous encourager, bénir le travail qui se fait. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Nous sommes dans le livre de Actes au chapitre 16, le verset 13. Nous allons lire jusqu'au verset 20. Actes chapitre 16, le verset 13. Du verset 13 au verset 20. Tout le monde a trouvé? La Bible dit ceci: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors la porte vers une rivière où nous pensions qui se trouvait un lieu de prière. Et nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Et l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Et comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et qui vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils le présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Amen. Ce soir, j'aimerais aborder sur le thème de l'esprit de Python et comment le discerner.
l'esprit de Python et comment le discerner. Nous sommes ici dans le deuxième voyage missionnaire de Paul, où il va rencontrer le jeune Timothée. Il va le prendre avec lui dans son équipe missionnaire, le faire circoncire parce que son père était grec, et ils vont continuer poursuivre la mission. Ils entrent dans ce deuxième voyage missionnaire, non plus en Asie mineure, mais là ils vont aller au niveau de l'Europe. Pour la toute première fois, l'évangile va toucher l'Europe pour confirmer la prophétie que Jésus avait dite aux apôtres avant son ascension au ciel. Il va leur dire: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile a bien commencé à Jérusalem, ça s'est étendu en Samarie, c'est parti jusqu'en Judée, et voici comment, à cause de la persécution qui va avoir lieu à Jérusalem avec la mort d'Étienne, plusieurs disciples vont se disperser. La Bible dit tous, excepté les apôtres, vont se disperser, et plusieurs vont se retrouver en Samarie, notamment Philippe. Et à Samarie, il va annoncer le Christ. Amen. Il annonce le Christ, il prêche Jésus, et le Seigneur se manifeste au travers de Philippe par des signes, des miracles, des prodiges. Et il y avait là-bas un certain, un magicien du nom de Simon, le magicien. Et cet homme étonnait les gens avec les actes de magie, jusqu'à ce que la puissance de Dieu s'abatte sur lui et que le peuple puisse dire: oui, véritablement, nous avons vu quelqu'un qui manifeste réellement la puissance de Dieu. Parce que lorsque Simon prêchait Jésus, la Bible déclare que Dieu accompagnait sa parole par des signes et des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires se produisaient par les mains de Philippe. Et à la suite de cela, le Seigneur va toucher Paul, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Il va lui confier une mission, celle de propager l'évangile au travers les nations. Et Paul sera comme celui qui va porter ce flambeau de la parole de Dieu, du réveil spirituel jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'avait pas peur. Il était un homme courageux. Il était déterminé. Il avait la force, il avait la foi. Il avait le courage, il avait l'onction, il avait le mandat, il avait la permission d'agir. Et partout où Paul passait, il laissait les traces. Rappelez-vous de Actes chapitre 17, lorsqu'il arrive quelque part, les gens de la vie seront tellement bouleversés, ils vont dire: voici ces hommes qui ont bouleversé le monde, sont arrivés jusqu'ici. Ma prière est que Dieu fasse de chacun de nous des hommes et des femmes qui vont bouleverser leur monde. Alléluia. Avec la puissance de Dieu. La Bible dit: ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous pouvons bouleverser notre temps, nous pouvons bouleverser notre génération, bouleverser ce temps avec la puissance de Dieu et avec l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et il voulait rentrer dans certaines villes. Si vous prenez Actes chapitre 16, la Bible dit à partir du verset 6: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision, et un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière en disant: passe en Macédoine et secours-nous. Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. Voyez, donc là, le temps de l'Asie était un peu fini. Dieu voulait maintenant que Paul, avec son équipe missionnaire, puisse aller dans une autre direction. Raison pour laquelle nous devons toujours être sensibles à avoir du Saint-Esprit pour savoir ce qu'il faut faire au moment opportun, être au bon endroit et au bon moment, faisant la bonne chose. Alléluia. Car ce n'était plus le temps de l'Asie. Dieu voulait qu'il puisse aller en Europe, entrer en Macédoine, non seulement en Macédoine, dans d'autres villes telles que Thyatire et les autres. Et Paul, maintenant, ils arrivent.
Et la Bible dit qu'il n'avait pas un lieu où les gens pouvaient se réunir. Et ils ont trouvé un espace juste à côté d'une rivière. Et ils ont pris cette place-là comme un lieu de prière. Dis à ton ami, le lieu de prière peut être n'importe où. Il n'y avait pas de bâtiment ici, il y avait juste une rivière. C'est comme là, vous avez la Seine juste à côté. Et nous trouvons un espace, nous prenons cet espace-là comme un lieu de prière. Car le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas forcément dans des temples faits des mains d'hommes. Non, c'est nous qui sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et il trouve ce lieu. Et par la prière, avec la parole de Dieu que Paul enseignait, les cœurs des gens vont être touchés. La Bible dit, l'une des femmes qui était là, dont le nom c'était Lydie, comme ma femme, la Bible dit, elle était marchande de pourpre et de la ville de Thyatire. Et c'était une femme d'affaires, elle avait des moyens. Et elle écoutait la parole de Dieu. La Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Frères et sœurs, il y a une puissance dans la parole de Dieu. C'est pour cela, ne minimisez pas cette parole. C'est pour cela qu'il faut prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut partager cette parole. Vous ne savez pas vers qui elle peut tomber, dans quel cœur, dans quel terrain cette sémence de la parole peut tomber et le fruit que cela peut produire. Cette femme avait soif de Dieu. Cette femme cherchait Dieu, mais elle n'était jamais entrée en contact avec la véritable parole. Et voici ce jour-là, Paul, animé par l'Esprit, il parlait, et le cœur de Lydie était touché. Et le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle accepte Jésus. Elle croit et elle se fait baptiser. Non seulement elle, mais également toute sa famille. Alléluia. Et parce qu'elle était une femme d'affaires, forcément elle avait une influence. Et la Bible nous dit qu'elle a pressé les apôtres pour rentrer chez elle. Certainement ils ont dû séjourner dans sa maison. Et regardez aussitôt ce qui va se passer. Lorsque Dieu commence à faire une œuvre, lorsque le Saint-Esprit entre en action, le diable n'est pas loin. Est-ce que je peux me faire comprendre ce soir? Lorsque Dieu commence une œuvre, lorsque le Saint-Esprit accomplit quelque chose, que ce soit dans la vie d'un homme, d'une famille, d'une église, Satan n'est pas loin. Cette femme était touchée. Il a commencé à avoir une action divine dans le cœur. Et la Bible dit que le lendemain, pendant qu'ils allaient au lieu de prière, c'est-à-dire au même endroit que nous venons de lire, près de la rivière, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une servante qui avait un esprit de python. Dis avec moi, esprit de python. Ouh là là, tu peux le dire encore, l'esprit de python. Elle avait l'esprit de python. Et son but, c'était de pouvoir distraire les gens. Elle disait quelque chose qui était vrai. Mais l'esprit qui animait n'était pas l'esprit de Dieu. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Alléluia. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Peut-être que c'est vous. Mais peut-être qu'aussi qu'il y a un esprit de python autour qui essaye de vous distraire, qui essaye de vous déconcentrer, de vous sortir de l'objectif, de vous focaliser sur autre chose. Car quand on parle de distraction, on voit le fait de ne plus être concentré sur l'objectif. L'objectif c'est qui? L'objectif c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être ton objectif, mon objectif. Jésus-Christ doit être l'objectif de l'Église. L'Église ne doit jamais perdre de vue Jésus-Christ. Paul, du reste, dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, né selon la chair. Alléluia. N'oublie pas, il dira aux Corinthiens, je ne me laisse savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car c'est lui la base. Mais cet esprit, parce que cet esprit était certainement dérangé de l'œuvre que Dieu commençait à accomplir, et il va attirer l'attention des gens. Elle va commencer à crier. Elle ne parlait pas, mais elle criait. À prêcher. S'il y avait des micros, elle allait prendre le micro en disant, écoutez, ces hommes, Paul, Barnabas et les autres, Timothée, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils annoncent la voie du salut. À première vue, tu ne peux pas discerner. Parce que ce qu'elle dit n'est pas faux. Est-ce que Paul n'est pas serviteur de Dieu? Merci pour ceux qui m'ont suivi. Mettez un peu vos chewing-gums de côté. Vous allez répondre après. Amen.
Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Celle-là, c'est une fille de Dieu. Celui-ci, c'est un homme de Dieu. Comme souvent on entend, oh, vraiment, tu es un véritable homme de Dieu. Et oui, et après? Regarde ton voisin, dis-lui, et après? Si cela ne te change pas, si cela n'amène pas une transformation dans ta vie, ça devient juste quelque chose qui nourrit l'orgueil. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, vraiment, nous, on a un bon pasteur. Ok, est-ce que tu changes? C'est ça la première question. Est-ce que la parole entre en toi? Et annoncez. Il annonce la voix du salut. Écoutez-les. Il annonce. Et la Bible dit, elle le fit pendant plusieurs jours. Et quelque chose va se passer. La Bible dit, Paul était fatigué. Frères, sœurs, là où il y a l'esprit de Python, vous allez sentir une oppression, une fatigue spirituelle. Quelque chose, même si vous n'arrivez pas à identifier la vérité qui est dite, mais l'esprit qui anime cette soi-disant vérité, parce que ce n'est pas forcément la vérité, je vais vous le prouver tout à l'heure, cela va vous fatiguer. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu est envoyé, le Saint-Esprit n'a pas pour mission de glorifier les hommes. Est-ce que je peux me faire comprendre? Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même. Il vous annoncera les choses cachées. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit a pour ministère de glorifier Jésus et non pas les hommes de Dieu. Et l'esprit de Python, quand il arrive quelque part, on n'entend plus parler de Jésus. On entend parler des hommes. Tout le monde m'entend ce soir? Est-ce que vous pouvez noter quelques caractéristiques que nous voulons essayer d'énumérer? Quand l'esprit de Python arrive quelque part, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. L'homme de Dieu. Tout tourne autour de l'homme de Dieu. On a dormi. Le pasteur. On s'est réveillé, le pasteur. On a mangé, le pasteur. On arrive à l'église, mon pasteur. On sort de l'église, mon pasteur est terrible. On va à l'école, le pasteur. Il y a ton ami Python. Est-ce que tu peux le dire avec moi, Python? Alors, qu'est-ce que l'esprit de Python? Pour ceux qui notent, le mot Python vient du grec Piti. Piti. Et Piti, c'était le nom qu'on donnait à la mythologie grecque. D'accord? D'une prophétesse. C'était le nom d'une prophétesse de la mythologie grecque. Et le rôle de cette prophétesse, Piti, était de parler à la place du dieu Apollon. C'est ça l'origine. N'oublions pas que là, nous sommes dans une civilisation helléniste. D'accord? Amen. Et derrière cette femme, il y avait cet esprit qu'on appelle l'esprit de divination. Donc, en gros, pour résumer, ou pour dire en un mot, l'esprit de Python est un esprit de divination. Et la divination, c'est quoi? La divination, c'est la fausse révélation. Ou une révélation qui n'a pas pour origine Dieu. Car il y a trois sources de révélation. Deux majeurs. Vous avez Dieu qui révèle les choses cachées, qui révèle les choses, mais vous avez aussi le diable par les démons qui peuvent donner des informations sur les choses et vouloir prédire l'avenir. Amen. Et tous les divins, les devins, pardon, tous les diseurs de bonnes aventures, toutes les personnes qui sont dans le maraboutage, dans des choses semblables, sont habitées et animées par cet esprit de Python. En effet, lorsqu'une personne va voir un voyant ou une voyante, l'esprit qui anime le voyant ou la voyante, c'est un esprit de Python, qui est l'esprit de la divination. Et laissez-moi vous dire, les journaux peuvent confirmer ce que je dis, en France, plus d'un Français sur trois va consulter un voyant et qui paye des sommes énormes d'argent. Il n'y a pas longtemps, nous avons regardé un documentaire, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, c'était sur la 2, je crois, France 2. On nous a montré comment l'industrie
de la voyance récolte autant d'argent ici en France. Et les gens payent jusqu'à 1000 euros, 2000 euros, juste pour entendre ce que le marabout, la voyante, va dire concernant son avenir, concernant sa vie. Et c'est un esprit qui agit. Beaucoup de personnes refusent le Saint-Esprit, refusent Dieu, mais ils sont attachés à l'esprit de Python. Et vous retrouverez aussi l'esprit de Python derrière l'astrologie. Derrière, non seulement l'astrologie, l'horoscope. Y a-t-il des gens ici qui consultent l'horoscope? Gloire à Jésus. Sinon, on allait prier pour vous. Amen. Et tu consultes l'horoscope? Quand tu es né dans telle période de l'année, on dit tu es poisson. D'autres disent tu es cancer. D'autres tu es, je ne sais pas, quoi d'autre encore? Scorpion, Gémeaux. Dans l'astrologie, enfin, dans l'horoscope chinoise, vous retrouvez des chiens, des canards, de toutes ces choses. Bref, merci Jésus parce que je suis un homme et non un animal. Amen. Et le Seigneur avait interdit ce genre de pratique qu'on retrouvait dans les nations païennes. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 18. Suivez attentivement. Hein? Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Vous voyez, le métier de devin, la divination, était interdite par Dieu. Qu'on ne trouve personne qui pratique le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur, des personnes qui consultent et évoquent des esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ordonne ici aux enfants d'Israël de ne jamais se tourner vers la divination. Ne jamais se tourner vers le devin. Donc en gros, il condamne l'esprit de Python. Qui n'a pas commencé à agir avec cette femme? Mais qui, dont les origines remontent depuis aux temps anciens. Et beaucoup de personnes qui vont consulter les voyants, les marabouts, les quimboiseurs, gadgets affaires, comme dans certains coins on le dit. Ces personnes sont animées par l'esprit de Python. Alléluia. Alléluia. Et du reste, derrière Python, Python est un démon. Python est un esprit mauvais. Et les démons, c'était des anges qui autrefois étaient avec Dieu, mais qui ont été déchus à cause de leur rébellion. Merci. À cause de leur rébellion. Prenez avec moi Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 20, le verset 27. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Lévitique 20, verset 27. Il dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort et on les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Le Seigneur dit ici, si quelqu'un a un esprit de divination ou un esprit de mort, il doit être puni de mort. On doit le tuer. On doit le lapider. Et à l'époque, le Seigneur était intransigeant. Il fallait qu'il meure pour ne pas continuer à polluer les enfants de Dieu, à polluer le peuple de Dieu. Le Seigneur est contre l'esprit de divination, l'esprit de Python. Amen. Amen. Et ceux qui sont habités par l'esprit de Python, ils arrivent à prédire l'avenir par ce démon. C'est pourquoi ne soyez pas forcément étonnés par quelqu'un qui peut vous raconter des choses, soit dans votre passé, soit des choses peut-être qui vont concerner votre avenir. C'est l'esprit qui anime tous les voyants. L'esprit de diable. Amen. Amen. Ça va jusque là? Prenez avec moi Actes. Nous retournons dans Actes. Comment discerner l'esprit de Python? Et cet esprit de Python, aujourd'hui, est rentré dans l'église. Comment? Par qui? Il est rentré par la rébellion.
Et il est rentré dans la vie de tous les faux prophètes. Tous les faux prophètes prophétisent par l'esprit de Python. Amen. C'est pourquoi si vous avez un don de prophétie, si vous avez un don de prophétie, écoutez très bien, vous devez vous limiter à ce que Dieu vous dit et ne jamais aller au-delà de ce que Dieu vous dit. Et les prophéties ne se fabriquent pas, ça se reçoit de Dieu. Parce que lorsque vous avez un don de Dieu et que vous commencez à vouloir prophétiser par la chair, vous donnez accès au diable. Et cet esprit peut venir vous habiter. C'est ainsi que certaines personnes étaient des véritables prophètes, avaient des véritables dons de prophétie, mais ce don a été corrompu par le diable, qui est le spécialiste de la corruption. Alléluia. Nous voyons le premier python, le premier serpent, c'est dans Genèse 3. Le diable lui-même. Genèse chapitre 3, le verset 1er. À partir du verset 1er, la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Donc Python est lié au serpent ancien qui est le diable. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9, on parle également de Satan comme étant le serpent ancien. La Bible l'appelle non seulement le dragon rouge feu, mais la Bible l'appelle également le serpent ancien. Pourquoi ancien? Certainement après avoir travaillé depuis Genèse, il a vieilli, il est devenu ancien. Alléluia. Parce que dans Genèse, on dit c'est un serpent. Et Apocalypse se dit c'est un serpent ancien. Il a vieilli. Amen. Gloire à Jésus. Et le serpent, l'esprit de Python fait beaucoup de dégâts. Il anime tous les faux prophètes. Prenez 2 Corinthiens chapitre 3, 11, pardon, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 à 4. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Il les met en garde. Il leur dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Regardez les caractéristiques de l'esprit de Python. Une autre caractéristique ici que nous voyons, c'est la ruse. Dis avec moi la ruse. La ruse, c'est la subtilité, cette manière subtile de pouvoir tromper. Quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui vous trompe, mais vous ne savez même pas vous rendre compte qu'il est en train de vous tromper. Et l'esprit de Python rend les personnes qui sont habitées par cet esprit ingénieux au mal. Il y a des gens qui peuvent vous rouler facilement dans la farine. Vous amadouer avec des belles paroles. N'oubliez pas que le diable, le serpent, avait séduit Ève par la parole. Il y a des gens qui ont de belles paroles. C'est pour ça, faites attention à ce que vous écoutez. Est-ce que je peux répéter encore? Faites attention à ce que vous écoutez comme message, comme parole. La parole peut donner la foi, mais aussi peut vous séduire. Amen. Le diable, le Seigneur a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Oui, tu as dit, le jour où vous ne mangerez, on mourra. Oh non, tu ne mourras pas. Mensonge. Ce que Dieu dit est contredit. Dieu ne revient jamais de ce qu'il a dit dans sa parole. Et derrière la ruse, vous avez, je vais toucher ça avant de continuer, une autre caractéristique de l'esprit de Python, le mensonge. Comment reconnaître quelqu'un qui est animé par l'esprit de Python? Il ment. Parce que l'esprit de Python, c'est un esprit de mensonge. Vous comprenez? Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 44. Je vais même prendre à partir du verset 43. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Voyez,
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voyez-vous? Donc l'esprit de Pitor, c'est un esprit du mensonge. La même personne ouvre la bouche pour prophétiser, mais la même personne ment comme elle respire. Cet esprit de Python qui l'anime derrière. Et vous avez beaucoup de faux prophètes comme ça. Vous le voyez, ils ont une apparence de sainteté, de pureté, une apparence de la piété devant tout le monde quand ils sont devant la chair. Mais quand vous les observez dans la vie de chaque jour, ils sont menteurs, versatiles, lunatiques, voire même mythomanes. Moi j'en ai connu, hein, très mythomanes. Tu lui as parlé hier, il t'a dit, ah bon, je ne me rappelle plus. Parce que quand un menteur ment, il oublie même ce qu'il avait dit. C'est ça là, une des caractéristiques du mensonge. Et l'esprit de Python ment. Et une demi-vérité est un mensonge aux yeux de Dieu. Quand on tord la vérité, ça devient un mensonge. C'est comme ça que le diable a pris l'écriture pour dire, il est écrit, tu te jetteras, il enverra des anges. C'est vrai, c'est écrit cette parole-là, mais il a tordu le sens. Vous voyez ? Il donne un autre sens à ce que l'écriture ne dit pas. Il sort la parole de son contexte pour établir le fondement du mensonge. Et c'est comme ça que Jésus rétorque en disant, aussi par la parole de Dieu, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que vous devez connaître la parole de Dieu si vous ne voulez pas tomber entre les griffes de Python. Je vous assure, cet esprit travaille. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Alléluia. Paul dit, il a ruse. Il a séduit Ève par sa ruse. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Deuxième, autre caractéristique, je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième, pour ceux qui notent, de l'esprit de Python, la corruption. Vous allez voir là où il y a l'esprit de Python, il y a beaucoup de corruption. Une vie de débauche. Une vie qui n'honore pas Dieu. La même louche qui prophétise, mais demain il couche avec des filles, couche avec des garçons. Comment tu peux prophétiser au nom de Dieu et ne pas vivre dans la sanctification? C'est que c'est un esprit autre que l'esprit de Dieu. D'ailleurs, on dit le Saint-Esprit, il est saint. Et même dans le milieu de certains prédicateurs qui disent, non, viens, je vais faire des choses avec toi. Il y a des femmes qui se font laver nues, par exemple. Ils se font berner par ces soi-disant prédicateurs de la parole de Dieu. Et vous aussi, vous allez vous déshabiller pour qu'on vous nettoie, on vous lave avec du champagne, soi-disant. C'est des choses qui se passent à Paris. Ouais. Alléluia. Si tu ne savais pas, il faut le savoir. Mais je sais que beaucoup de gens le savent. Python, ça amadoue les gens. Comment une femme mariée peut quitter son mari à minuit, aller voir un pasteur et on va la laver dans une baignoire à minuit en plus. Et ainsi tu parles, alléluia, esprit de Python. Fais avec moi Python. Tu peux le dire avec moi Python. On va les chasser au nom de Jésus. Après ici on va prier. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui sont captifs de cet esprit-là. Dieu ce soir va les délivrer. Vous allez voir. Ils ne sont peut-être pas ici. Là où ils sont, là, la puissance de la prière va aller les toucher. Dieu va les libérer de leur captivité. À cause de ça, le nom du Seigneur est blasphémé. L'esprit de Python amène la corruption. Dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19, la Bible dit, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Voici. Quand ils sont animés par l'esprit de Python, ils vont vous prêcher, Jésus libère, Jésus guérit. Mais eux-mêmes, ils sont liés par le péché. Esclaves de la corruption. On ne donne que ce qu'on a. Si toi-même tu es lié, tu es possédé, que veux-tu donner? Tu ne peux donner que ta vie. Est-ce que vous me suivez? L'esprit de Python est un esprit de corruption. Et l'esprit de Python amène un autre Jésus. Vous savez, Jésus, c'est celui qui guérit, qui libère. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Alléluia. Lorsqu'il y a un esprit de Python, le regard n'est plus tourné vers Jésus. On tourne le regard vers l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Tu me diras comment. Lorsque
un prédicateur ou même un frère veut t'empêcher de lire la Bible ou de t'appuyer sur la Bible, mais veut seulement que tu t'appuies sur ce que Dieu dit soi-disant dans ta bouche. Ma sœur, Dieu m'a dit, tu es ma femme, et t'es lié par la parole. Parce que quand on te dit Dieu m'a dit, si tu t'opposes, c'est-à-dire tu t'opposes à... Dis à ton ami, Python. On ne se marie pas parce que Dieu m'a dit. Regarde ton voisin, ne me dis pas que Dieu t'a dit. Dieu m'a dit, c'est toi mon mari. Alléluia. Ça fait des dégâts. Dieu m'a dit. Il y a des gens, quand ils se lèvent, Dieu m'a dit. Ils dorment, Dieu m'a dit. Ils se réveillent, Dieu m'a dit. Avant de se coucher, Dieu m'a dit. Même avant d'aller à la salle de bain, Dieu m'a dit. Fais comme ça, arrête ça. Fais comme ça, arrête ça. Non, est-ce que tu peux lui dire, fais-lui, arrête ça, arrête ça. Ah, on engage Dieu dans ce qui n'est pas. Et on annonce un autre Jésus. Personne ne peut contredire ça. Au point où certaines personnes vous disent de faire des choses qui sont contraires à la Bible, au nom de Dieu m'a dit. Il y a des gens ici, des serviteurs, qui ont fait vendre des maisons à leurs fidèles en disant Dieu m'a dit, vends tout, amène l'argent. Et les personnes se retrouvent dehors, sans rien. Et ils prennent l'argent, ils quittent la France, ils quittent leur pays, ils vont s'acheter des villas ailleurs. Et c'est ça Dieu m'a dit. Esprit de Python qui appauvrit les gens, qui rend les gens misérables, broke, détruits. Et cet esprit fait des dégâts dans le corps de Christ et dans l'Église. Amen. Amen, amen. Dieu m'a dit, ce n'est pas grave de pécher. Une jeune soeur m'a dit, le pasteur m'a dit, son pasteur, son ex-pasteur lui a dit, alors qu'elle était vierge, et le pasteur lui dit, écoute, Dieu m'a montré, tu as le sida spirituel, viens coucher avec moi, je vais te l'enlever. Je vous dis vrai, elle a réussi à madouer la jeune fille, elle est tombée dans les pommes. Et cet homme, alors qu'elle était fiancée à un gars, le gars qui était aussi bras droit du pasteur. Vous vous imaginez un peu? La déception. Et ça, c'est des choses qui se passent. Et cette semaine, ça fait déjà 2 semaines, le Seigneur m'a dit, tu dois en parler. D'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui à Casarema. Cette émission qui va sortir là, il faut le regarder. C'est chaud. On a cassé la baraque au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut que le peuple soit délivré de l'esprit. Je ne parle pas d'un homme, mais je parle d'un esprit qui anime les gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous imaginez un peu? Des jeunes filles qui vont perdre leur virginité à cause de l'esprit de Python. Vous imaginez des gens qui perdent tout? Tout leur argent, toutes leurs économies. Donner. On va payer ceci, on va payer. On n'a jamais payé. On se rend compte qu'on est surendetté. Et comment voulez-vous qu'après demain, les gens puissent croire en Jésus et croire au vrai serviteur? Il met tout le monde dans le même sac ensuite. C'est un esprit qui fait des dégâts dans le corps de Christ. L'esprit de Python. Il fatigue les gens. Dis à ton ami, on est fatigué de l'esprit de Python. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire encore? On est fatigué de l'esprit de Python. Il amène un autre esprit. Un autre esprit. Quel esprit? L'esprit de la manipulation. Là où il y a Python, il y a la manipulation. Vous savez, lorsque vous avez un certain pouvoir, il est facile de manipuler les gens. Et même les prophètes d'autrefois, quand vous lisez Deutéronome 13, 1 à 6, et puis Deutéronome 18, le verset, 20 au verset 22, Deutéronome 13, verset 1 à 6, et Deutéronome 18, 20 à 22, la Bible parle des faux prophètes. La Bible dit quand même un prophète te dira quelque chose qui sera accompli. Et s'il revient et te dit le contraire, ne l'écoute pas et n'aie pas peur de lui. Parce que derrière la prophétie, il y a un certain pouvoir. On peut vous manipuler. Il y a des gens qui ne savent pas quel chemin prendre. Et vous pouvez désorienter cette personne-là. Parce que vous avez le don de prophétie. Parce que vous êtes devant. Parce que vous avez un certain pouvoir
de conviction, un pouvoir d'influence. Et l'esprit de Python désoriente les gens. L'esprit de Python contrôle les gens, manipule les gens. Vous avez des personnes, vous savez comment reconnaître cela? Lorsque vous êtes en présence de cet esprit-là, vous êtes mal à l'aise. Et cet esprit, en général, vous stresse. Vous voyez? Ça vous désoriente. Vous êtes comme désemparé. Vous avez peur. Et certains pasteurs qui sont animés par cet esprit-là, ils utilisent des représailles. Le jour où tu les quittes, tu es maudit. Le jour où tu quittes l'église, tu es maudit. Écoutez-moi, le jour où vous êtes venu, est-ce que vous étiez maudit? Regarde ton voisin, dit je suis libre. Non, non, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je suis libre. Moi, je ne comprends pas. Le jour où il est venu, il n'était pas maudit. Mais le jour où il décide de partir, bénissez-le. Ah, fais comme ça. Ah! Et beaucoup de chrétiens souffrent. Nous devons aller dans une église par conviction. Et parce que l'Esprit de Dieu nous y conduit. Et rester fidèle. Amen. Et on ne quitte pas non plus une église comme ça. Quand une église n'est plus dans la doctrine. Quand une église n'est plus dans la voie de Dieu. Quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Vous priez. Si Dieu vous dit de partir, vous partez. C'est une affaire personnelle. Le salut est personnel. Ah, tu m'as quitté. Tu vas voir. Je vois un accident derrière toi. Je vois ceci. Tu ne vois rien. Esprit de Python. Parce qu'on sait que si on te donne cette prophétie, tu auras peur, n'est-ce pas? Donc on utilise la peur pour te manipuler. On utilise la peur pour te dire, moi quelqu'un m'a dit, ton enfant va mourir. Et dit, arrête ça, menteur. Ah oui, 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 oui. Et je le dis haut et fort. Est-ce que vous comprenez un peu? Derrière l'esprit de Python, vous avez les malédictions. La maudit. Le diable ne peut jamais te bénir. C'est Dieu qui bénit. Et le diable ne peut que te maudire. Amener la malédiction, la confusion. Quand l'esprit de Python agit, vous allez voir, il y a beaucoup de confusion. L'esprit de Python amène beaucoup de confusion. Vous ne savez plus quoi faire. Même dans votre vie privée, votre vie personnelle, sentimentale, votre vie, je ne sais pas, professionnelle, dans vos études, vous êtes troublé, vous ne savez plus quelle direction prendre. Python amène ça. Confusion totale. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il a dit dans Joël chapitre 2, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais dans la confusion. Ceux-là qui seront infidèles sans cause, eux seront confondus. Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est la confusion. La tour de Babel. On ne sait plus quoi faire. Où tourner la tête, où poser la tête. On est perdu. Et un autre caractéristique de l'Esprit de Python, un autre évangile. Quel évangile? Pas un évangile qui parle de Jésus, un évangile qui parle de la croix, un évangile qui parle de la sanctification. L'Esprit de Python n'aime pas la sanctification. Non. L'esprit de Python aime le péché. C'est pourquoi vous voyez, c'est grave. Allez dans certains pays, au Congo, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est grave. Vous voyez beaucoup de jeunes qui se proclament grands prophètes. Mais regardez ce qu'ils font. Adultère sur adultère, fornication sur fornication. Au nom de Dieu. Beaucoup même au Congo, je sais. Les musiciens, les chanteurs, vous le voyez, ils chantent bien. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font derrière. Il couche avec des garçons à gauche, des garçons à droite. Frère, c'est l'abomination. Et le nom du Seigneur est blasphémé. À cause d'eux. Et ils sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Personne ne peut leur parler. Ils sont arrivés au paroxysme de la spiritualité. C'est des papes. Vicarius Filii Dei. Le vicaire de Dieu. Vous comprenez un peu? Est-ce que tout le monde me suit? Un autre évangile. Un évangile qui dit non, Dieu est un Dieu de grâce. Bien sûr, c'est un Dieu de grâce. Mais la grâce de Dieu qui est source de salut de tous les hommes nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu ne veut pas dire je suis tombé hier dans le péché et puis Dieu est un Dieu de grâce. Je viens aussi prêcher l'évangile.
Il y en a avant de monter sur la chair pour prêcher, ils vont faire des abominations. Et ils viennent, ils pressent. Quel esprit communique aux gens? Et ma prière est que le jugement de Dieu tombe dans l'église pour séparer les vrais de faux. 1 Pierre chapitre 4 verset 17, la Bible dit, c'est le moment où le jugement de Dieu doit commencer dans la maison de Dieu. Il faut que l'on sache où est le blé et où est l'ivraie. Il faut que Dieu mette une nette séparation par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, qui va jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments des cœurs. Esprit de Python a amené beaucoup de confusion dans l'église. Quand les païens regardent l'église, quand les païens nous regardent, quand les musulmans nous regardent, ils disent, regardez-moi, ces aventuriers, à cause de le nom du Seigneur est blasphémé, des abominations. J'ai vu dans une photo un soi-disant prédicateur qui a fait un mariage avec 5 femmes. 5 ou 7? 5. 5 femmes. Et les femmes aussi acceptées. Tu acceptes d'être 4e femme de quelqu'un. Et le même jour du mariage. Et il était là, il dit, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, et le Dieu de Salomon. Et ces gens-là aiment beaucoup Salomon. L'onction salomonique. Quand tu as l'onction salomonique, tu es capable de beaucoup de choses. Hein? Jésus a dit, c'était à cause de la dureté de leur cœur. Au commencement, il n'en était point ainsi. Est-ce que vous me suivez? Non. Un homme et une femme pour un homme, point. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas d'explication. Ou des prédicateurs qui commencent à prendre les femmes du ministère, qu'ils appellent roue de secours. Et la roue de secours, quand vous conduisez, il faut avoir une roue de secours. Mais si jamais il y a une crevaison, 4e tiroir. Et partout, il voyage avec la secrétaire. Ta femme est où? La femme gère les enfants. Elle, c'est qui, femme du ministère? Oh! Fais comme ça, oh! Tu n'es pas étonné? Moi, je suis étonné. Fais, oh! Alléluia! Il faut dire ces choses. L'évangile, ce n'est pas seulement Dieu vous bénisse, visitation divine, gloire à Dieu, mais il y a aussi Python. Il faut mettre Python dehors. Ça fâche. Amen. Ça va jusque-là? Derrière Python, vous retrouvez les calomnies. L'esprit de calomnie, les médisances. Un esprit de Python, c'est un esprit qui attaque les autres, qui aime attaquer les autres. Comme les pharisiens aimaient attaquer Jésus. Jésus les appelle race de vipères. N'est-ce pas? Et les vipères, c'est les serpents. Race de vipères. Ils attaquent les autres. Ils ont mis en place la religion. Ils s'opposent à tout ce qui est juste et vrai. Ne pensez pas qu'en faisant l'œuvre de Dieu, tout le monde sera d'accord avec vous. Il y a des gens qui ont l'esprit de Python, qui vont essayer de vous s'opposer à vous. Étienne a dit aux pharisiens et aux scribes, il dit, homme au cou incirconcis, homme au cou raide et incirconcis de cœur, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce sont des gens, le cœur est insensible à la voix de Dieu. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Mais regardez ce qu'ils font. Oula, c'est pire. Amen. Amen. Ça va jusque là? Dis à ton ami l'esprit de Python. C'est un esprit de faux prophète. Prenez avec moi 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, le verset 20. Là, nous voulons voir encore d'autres caractéristiques de l'esprit de Python. Comment est-ce qu'il agit, cet esprit, dans l'église? 2 Corinthiens 11, verset 20. Nous avons vu comment est-ce qu'il fait. Prenons même à partir du verset 13. 2 Corinthiens 11, le verset 13 au verset 15. Et puis nous allons lire le verset 20. Paul dit ceci. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc voyez, Satan est le spécialiste de déguisement. Et il se déguise en ange de lumière. C'est ça même son nom, Lucifer, porteur de lumière. Donc lorsqu'il vient, tu as l'impression que tu es dans la lumière, mais pourtant tu es dans les ténèbres. Il se déguise. Et la Bible dit, verset 15, il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice.
mais leur fin sera selon leurs œuvres. Ministre de justice, il vous présente la bonne parole, il vous présente les choses et vous devez avoir le discernement spirituel pour les démasquer. Et regardez le verset 20, il dit quoi? Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez fort bien. Et regardez les autres caractéristiques ici de l'esprit de Python. L'esprit de Python a servi les gens. A servir ici, c'est rendre les gens esclaves. On vous a servi. On vous rend esclaves. Voyez, Python fait ça. Je donne un exemple. Regardez, avant de continuer, prenez avec moi dans Actes chapitre 13. Regardez rapidement ce qui va se passer ici. Paul arrive, Paul et Barnabas, libérés par le Saint-Esprit, ils vont rencontrer un magicien, un faux prophète. Acte 13, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète nommé Bar-Jésus. Dis avec moi, Bar-Jésus. Il était un faux prophète qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Voyez, l'esprit de Python n'est pas loin des gens qui sont prêts à donner leur cœur à Jésus. Et il essaie maintenant de les casser, de les détruire. Des gens influents qui vont être influents dans le royaume de Dieu, il va tout faire pour être à côté, pour les empêcher de croire. Et regardez la suite. Il dit, ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc, c'était un homme intelligent qui avait le désir, il avait soif d'entendre la parole de Dieu. Mais la Bible dit, mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voyez? Et il dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Il a cru par la suite, pourquoi? Parce que le jugement était tombé sur un faux prophète. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il s'opposait aux paroles de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas prêchent la vérité. Quand on sort ici, une personne veut casser et il prêche ça. Est-ce qu'ils sont les véritables saints? Il se prend pour qui? Beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais lui, ce petit-là, se prend pour qui? Je ne me prends pour personne. Je lis ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Oh, la petite là vient de se convertir, surtout les nouveaux convertis. Quand vous avez le feu, les vieux loups et les vieilles daronnes. Et les petites, tu viens de commencer, oh, ça, tu vas finir. Avec le temps, oh, on a vu beaucoup. Esprit de Python. Frères, sœurs, attention, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ne mesure pas ta vie chrétienne par rapport à quelqu'un que tu as vu dans l'église. Nous, on a 40 ans de ministère, d'expérience. Qui t'a dit l'expérience? Si tu as 40 ans d'expérience, que tu as 40 ans aussi avec le Saint-Esprit. Il y en a qui ont eu 10 ans d'expérience avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit les a déjà lâchés depuis. C'est comme l'illustration que quelqu'un donne. Voyez, quand vous avez branché un ventilateur, ça tourne, non? Mettez à puissance 3, ça tourne. Débranchez, qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer à tourner. Jusqu'à ce que, il y en a qui sont déjà débranchés. Regarde, on va dire, es-tu connecté ou débranché? Non, non, tu peux encore lui poser, es-tu connecté ou tu es débranché? Peut-être que tu es déjà débranché, c'est que là... Amen. L'esprit de Python. Et je termine. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 20. On a dit, l'esprit de Python a servi. Deuxièmement, dans ce verset, l'esprit de Python dévore, il vous dévore, il vient prendre ce qui est à vous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour dévorer. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'esprit de Python cherche à dévorer.
Il veut prendre les dons qui sont en toi. Il veut prendre la grâce que Dieu t'a donnée. Prendre quelque chose en toi. Autre chose, s'il s'empare de vous, l'esprit de Python s'empare des gens. Il emprisonne les gens. Autre chose, il est arrogant. Là où il y a l'esprit de Python, vous allez voir les gens, la personne qui est habitée par cet esprit, vous allez trouver en elle l'arrogance. L'arrogance et la haine. L'orgueil. Ça se trouve dans son cœur. Et si quelqu'un vous frappe au visage, ce sont des gens qui n'ont pas peur de frapper les autres au visage, de les cogner. De ceux-là qui se lèvent à tout azimut pour dénoncer soi-disant tout le temps. Attention. Python. Amen. Amen, amen. Ça va jusque-là. Et je termine dans 1 Jean chapitre 4. Je disais au début que l'esprit de Python, c'est l'esprit qui anime tous les faux prophètes. Et Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Dans Matthieu 7, Jésus dit, à partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent en vous. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un faux prophète, se dire, écoutez, venez dans mon église, je suis un faux prophète. Personne ne viendra. Tout le monde se dit vrai ou faux. Mais comment savoir que c'est un vrai et l'autre c'est un faux? Comment? 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. La parole de Dieu nous dit ceci. Bien-aimés, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? J'aimerais qu'on lise tous ce verset ensemble. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Nous lisons 1, 2, 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce qu'on peut le relire? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comment éprouver? Deux choses qui vont vous aider à éprouver les esprits. Premièrement, vous devez connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme puissante pour discerner et éprouver les esprits. La parole de Dieu te donnera l'intelligence. La parole de Dieu te donnera cette sagesse, cette connaissance pour savoir juger ce qui est vrai de ce qui est faux. Deuxièmement, vous avez besoin du don du discernement des esprits. Le don du discernement qui vient du Saint-Esprit. Donc on a besoin de la parole et on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à discerner. Tu vas commencer à voir que dans la vie de cette personne, des choses qui ne sont pas nettes. Et très souvent, quand tu commences à remarquer ces choses, ne sois pas non plus naïf. Prie et observe. Tu verras. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, nous dit la Bible. Tout ce que les gens cachent finit toujours par venir remonter à la surface. C'est la raison pour laquelle Paul, comme il était fatigué, il a discerné, il dit non, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous glorifier, nous. Les hommes, non. L'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Et puis il dit, au nom de Jésus, démon part. Et la Bible dit, à l'heure même, cette femme fut délivrée de l'esprit de Python. Et ma prière est que toutes les personnes qui sont délivrées, qui sont possédées par cet esprit, maintenant même, où qu'elles soient, pendant qu'elles suivent cette vidéo, ce message, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu, que la puissance de la croix de Jésus les libère. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à tous les serpents de lâcher des vies et des corps. Et la Bible dit, lorsqu'elle a été délivrée, regardez la suite. Il y a eu la colère des gens que cet esprit l'a procuré de l'argent. L'esprit de Python génère beaucoup d'argent. La raison pour laquelle vous allez voir, même dans l'église aujourd'hui, il y en a qui ont établi ce qu'on appelle des consultations prophétiques payantes. Je précise bien. Consultations prophétiques, je crois que bibliquement, ça peut avoir un fondement, mais payant, non. Parce que ce qui vient de Dieu est gratuit. Dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, Jésus dit, allez, dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu,
on ne monnaie pas le don de Dieu. Simon le magicien a voulu payer le don du Saint-Esprit. Pierre a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il dit, Simon, réponds-toi, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Beaucoup qui sont animés par l'esprit de Python sont dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. Ils doivent se repentir. Autrement, le jugement de Dieu va tomber sur leur vie. Dieu veut libérer son peuple. Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance. Et je connais cette douleur. Je descends maintenant pour le délivrer. Ce n'est pas une question d'homme. C'est une question de Dieu. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres. Et en tant que mandataire de Dieu, je déclare que tous les enfants de Dieu, au travers de ce message, qu'ils écouteront, l'onction de Dieu va les libérer. Déjà, les écailles commencent à tomber. Les chaînes de l'enfer sont brisées. La puissance de la sorcellerie qui a été animée ces personnes est brisée dans leur vie. La puissance de ténèbres qui a envoûté les gens soit brisée, soit anéantie maintenant. Et je prie que l'onction de Dieu au travers de ma voix vienne maintenant vous libérer, vous délivrer. Que le cœur brisé reçoive la guérison. Que ceux qui ont été tombés, que ceux qui ont été trahis soient rétablis, restaurés. Que la main de Dieu se pose sur toutes les personnes qui ont été victimes de cet esprit et qu'elles soient libres au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Jésus se mette à l'œuvre dans leur vie maintenant même. Je vois une grande délivrance. Je vois dans l'esprit, dans l'atmosphère spirituelle, oh my God, une grande délivrance, une grande délivrance. Le Seigneur dit qu'il va libérer son peuple. Le Seigneur dit qu'il va franchir son peuple. Le Seigneur dit, consolez, consolez mon peuple. Oh, qu'on crie au cœur de Jérusalem que sa servitude est finie. Oh, que sa servitude, la servitude du peuple de Dieu aujourd'hui, enfin, Dieu libère son peuple. Dieu délivre son peuple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus, afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Que le son de ma voix perce les cœurs, perce les cœurs, perce les églises, les âmes afin d'apporter la vie de Dieu, afin d'apporter la délivrance, d'apporter la restauration. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, délivrer les opprimés, libérer tous ceux qui sont sous l'empire du diable, ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, j'aimerais te rendre grâce pour ta parole. Comme Paul, j'ordonne à l'esprit de Python de quitter toutes ces hommes, toutes ces femmes et tous ces hommes. J'ordonne à l'esprit de Python qui s'est emparé des églises, de ministères, de lâcher maintenant. J'ordonne aux chrétiens qui prophétisent par l'esprit de Python qu'ils soient libérés maintenant. Que l'esprit de prophétie réelle venant de Dieu vienne. Alléluia. Là où tu es assis, lève simplement tes mains. Ne te mets pas debout. Reste simplement assis. Lève simplement tes mains. L'esprit de Dieu me dit de dire à l'église, aussi qu'il a dit lui-même dans Joël 2, à la fin des temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'entends dans mon esprit, il est temps que la voix prophétique se lève, non seulement dans cette église, mais dans le corps de Christ. Dieu veut lever une nation. Dieu veut lever un peuple saint. Dieu veut déverser sa gloire. Dieu donne à quelqu'un ici une autorité prophétique. Dieu donne à quelqu'un ici une autorité, un mandat prophétique pour parler en son nom. Tu l'as déjà reçu en toi. Tu l'as déjà reçu dans la prière. Tu l'as déjà reçu par conviction. Mais la main de Dieu arrive ce soir et elle vient se poser sur toi pour attester cela. L'esprit de prophète est sur toi. Que Dieu suscite les prophètes. Que Dieu suscite, qu'il réveille. Oh my God, l'esprit prophétique dans l'église, dans la vie de l'église. Là où il y a l'esprit prophétique, l'esprit de Python ne peut résister. Là où l'esprit de Dieu est là, il est l'esprit de vérité. Yo!
l'esprit de vérité, c'est le sept esprit de Dieu. Oui, les sept lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu. Les sept esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. La main de Dieu ne se retient plus. Et Dieu veut oindre son peuple. Dieu veut équiper des hommes et des femmes. Dieu veut bâtir. Dieu veut susciter. Dieu a un peuple qui se lève. Un peuple qui va annoncer les oracles. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Il compte sur toi. Jeune homme, il compte sur toi. Jeune femme, il compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Oui, ma soeur, je te dis de la part de Dieu, aujourd'hui et ce soir, que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Tu es la voix prophétique dans ton travail, dans ta famille. Tu es cette voix qui va faire taire la sorcellerie, qui va faire taire les puissances occultes, qui va faire taire la puissance de la mort et qui va mener la vie de Dieu par l'évangile. Voici la main de Dieu qui arrive et qui se pose sur toi. Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, descend. Il y en a qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Il y en a ce soir que Dieu est en train de baptiser dans le Saint-Esprit. Il y en a ce soir qui vont recevoir quelque chose. Il y a comme une puissance qui est en train de pénétrer la vie d'une personne. Tu sens en toi comme quelque chose qui est en train de rentrer en toi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Shandaraba Shekerebo. Plus jamais tu te tairas. Plus jamais tu ne te tairas. Plus jamais tu ne te tairas. Plus jamais tu ne te tairas. Le Seigneur me dit de dire à une personne, il y a des abominations que tu vois, pourquoi tu te tais? Il y a des choses horribles que tu vois, pourquoi tu te tais? Il t'a montré une vision, le temple était souillé. Je ne sais pas c'est qui, mais il me montre cette personne. Tu as une vision. On t'a montré un temple qui était souillé. Comme Ézéchiel 8, tu as vu à l'intérieur beaucoup de souillures et d'abominations. Dieu te dit, je t'ai établi comme une prophétesse. Je t'ai établi comme un prophète, comme Ézéchiel, comme une sentinelle dans la maison de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour voir, mais tu dois voir et tu dois aussi prier. Non seulement prier, mais tu dois aussi avertir. Il dit, sonne la trompette et avertis mon peuple. Oui, jeune homme, sonne la trompette et avertis mon peuple. Sonne la trompette et avertis mon peuple. Alléluia. Cette église, vous êtes là, ou si vous êtes là ce soir et que vous êtes enchaîné, la puissance de Dieu vous délivre de toutes les chaînes. Maintenant même, je dis maintenant même, si vous êtes là et que vous êtes lié, peu importe le lien dans lequel vous êtes, ces chaînes tombent. Tout lien qui n'est pas de Dieu, toute chaîne qui ne vient pas de Dieu tombe maintenant. Déçu dans ton cœur, tu es là, tu as été beaucoup affecté, ton âme a beaucoup saigné, tu as beaucoup pleuré suite aux abus, et pour savoir que ce toi, tu as du mal malgré toi à toujours faire confiance, tu as du mal à toujours t'accrocher, à avancer, et tu es en train de faire étouffer, d'étouffer le don de Dieu que Dieu avait mis en toi. Le Seigneur me dit de te dire, oui, tu me dis de te dire qu'il ne se répand pas de ses dons, il ne se répand pas de son appel. Il dit qu'il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Ce soir, il te régénère. Ce soir, il te restaure.
Ce soir, le don de Dieu que tu avais perdu, tu le retrouves. Au nom de Jésus. La vie de prière que tu as perdue, tu la retrouves maintenant. Au nom de Jésus. Je dis la vie de Dieu que tu avais, la vie de prière, tu la retrouves maintenant. Tu vas prier plus qu'avant. Tu vas prier plus qu'avant. Tu vas monter encore. Tu vas monter encore. Tu vas monter encore. Il y a des personnes ici qui n'arrivaient plus à prier. Je vois une onction de Dieu qui est en train d'arriver. Oh my God. Oh my God. C'est merveilleux. Wonderful. Il arrive sur toi. Il arrive sur toi. Il arrive sur toi. Tu veux, tu as un défi de prier encore plus longtemps. Plus longtemps. Être dans sa présence. Voici un appel à la prière. Il y a un appel à la prière. Il y a un appel dans le cœur de Dieu. La main de Dieu arrive et se pose sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le Seigneur enlève l'angoisse dans le cœur de quelqu'un. Tu es angoissé. Tu as peur de beaucoup de choses. Oui, tu es angoissé par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas confiant. Tu manques la confiance intérieure. Le Seigneur me dit de te dire, oui, bannis l'angoisse, bannis la crainte, bannis la peur, bannis ces choses. Il est ton assurance. Comme Paul dit, il dit, rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Ce reste la mort, rien, rien, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la nudité, la faim, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Dieu te dit, fortifie-toi, tiens bon, tiens courage, lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive, va avance et brille. Au nom de Jésus, les ténèbres ne te surprendront point. La puissance de l'ennemi dans ta vie est brisée, paralysée. Le Seigneur veut te lever et te positionner. Dieu veut te positionner. Il y a une personne ce soir que le Seigneur est en train de positionner sur le plan social. Sur le plan social, tu as tant prié. Tu as dit à Dieu, vois ma souffrance, vois mes pleurs, vois ma crainte. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, je t'ai entendu. Aujourd'hui, je t'ai entendu. Ma fille, mon fils, ma fille, je t'ai entendu. Et je te repositionne, je te repositionne, car c'est moi qui élève, car c'est moi qui élève, car c'est moi qui élève, car c'est moi qui élève. La puissance de Dieu vient et ça passe sur toi. Jesus. Esprit de Dieu au milieu de nous. Une personne ici est beaucoup combattue par des mauvaises pensées. J'aimerais que tu te lèves là où tu es simplement. Lève-toi, ne viens pas devant, lève-toi simplement. Beaucoup acculé, tu sens comme une pression, de mauvaises pensées, et une attaque. Tu es ciblé par le diable est en train de te cibler parce qu'il y a un grand avenir. Tu es appelé à une grande destinée. Pose ta main sur ta tête, voici la main de Dieu arrive sur toi et le Seigneur te rafraîchit. Il brise la puissance, oui, de l'envoûtement satanique qui est contre toi. La puissance de l'envoûtement satanique est brisée contre toi et la main de Dieu arrive et se pose sur ta vie. Dans le nom de Jésus, que les pensées de Dieu remplissent ton cœur. Que les pensées de Dieu remplissent ton cœur au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire? Merci Jésus.